Ils sont dans tous les médias, les visages et noms des cinq hockeyeurs liés au présumé viol collectif de London en 2018. C'est sûr que ça doit être anxiogène, veux pas, surtout quand c'est médiatisé. Catherine Laroche a une pensée pour la présumée victime de l'histoire, alors que la Trifluvienne a mis fin pour sa part à des poursuites judiciaires envers un joueur de hockey connu pour agression sexuelle parce que le processus la rendait trop anxieuse. Elle a préféré fonder Égaux sans égaux pour offrir conférences et ateliers aux sportifs. Plusieurs hockeyeurs l'ont contactée ces derniers jours après avoir vu le nom des ex-joueurs de Hockey Canada Junior dévoilés. C'est souvent l'élite qui me contacte parce que c'est là que les jeunes garçons ils ont le plus de pression. C'est là aussi qu'il y a le plus de comportements toxiques. C'est normal parce que ça fait longtemps qu'ils se font dire qu'ils ont été le meilleur, qu'ils sont numéro un. C'est sûr que si, exemple, on lui a dit toute sa vie qu'elle allait être repêchée numéro un, il est repêché finalement quatrième, il y a peut-être un besoin d'aller dominer dans une autre sphère de sa vie. Puis c'est là que le toxique peut arriver. Chez Hockey Québec aussi, on multiplie les initiatives pour que la culture change. Nous, on prend notre rôle très au sérieux. On a des mécanismes qui existent, qui sont en place. Mais la sensibilisation, l'éducation, c'est quelque chose, je pense, qui est très important pour nous. Quatre des cinq joueurs accusés évoluent dans la Ligue nationale de hockey et ont été suspendus. Il est temps pour les ligues de revoir leurs sanctions, juge Sébastien Goulet. Il y a des joueurs qui ont été accusés d'agression sexuelle ou de violence conjugale dans la NFL qui n'ont raté que quelques matchs. Il y a des joueurs accusés de dopage ou de gambling dans les dernières années qui ont manqué des moitiés de saison ou des saisons complètes. Je pense vraiment là, qu'on est à un point, un moment charnière où va falloir que tous les circuits professionnels de sport s'assoient ensemble et disent « OK, il y a des limites à fixer pour chacune de ces situations-là. » Et je pense que dans le cas qui nous intéresse présentement, si le cas d'agression sexuelle s'avère, on pourrait avoir un bannissement carrément de ces joueurs-là. Peu importe l'issue de l'histoire, Catherine Laroche a foi en la prochaine génération pour qu'un changement de culture s'opère. Il va toujours avoir un garçon qui peut faire des comportements toxiques, qui peut leader des actions toxiques, mais il y a une majorité de jeunes garçons qui ont hâte que ça change. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.